Tout au long de l'histoire, de nombreuses personnes ont prétendu avoir rencontré des géants. Les titans grecs, divers géants nordiques, le géant chinois Pangu et les géants bibliques Goliath et Anak sont autant d'exemples de récits d'êtres extrêmement grands issus de diverses cultures. Cela a conduit beaucoup de gens à se demander si de vrais géants ont jamais existé. Un exemple qui a été suggéré comme une possibilité est le géant de Patagonie. La Patagonie est une région située à l'extrémité sud de l'Amérique du Sud, partagée entre l'Argentine et le Chili, avec la cordillère des Andes comme ligne de démarcation. Un capitaine néerlandais du nom de Sebald de Weert a mentionné que son équipage avait vu plusieurs géants alors qu'il naviguait dans le détroit de Magellan. Même le Vatican a apparemment enregistré des documents mentionnant des géants en Amérique du Sud qui ont été tués par les Aztèques. Le corps de ce géant n'est pas seulement remarquable par sa taille énorme, mais aussi par le fait qu'il possède deux têtes. Ce géant de Patagonie pourrait-il être réel? Restez dans les parages jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir l'histoire insolite de la découverte de ce géant. Vous ne croyez peut-être pas aux géants ou aux monstres, et vous n'en avez peut-être pas peur, mais ces créatures sont essentielles à la compréhension du monde par les humains. Depuis des millénaires, chaque fois que les gens ont rencontré un phénomène scientifique ou naturel qu'ils ne comprenaient pas, ils ont créé un monstre pour l'expliquer. Prenez par exemple les fossiles. Il y a environ 2000 ans, des chercheurs d'or scythes dans le désert de Gobi sont tombés sur des squelettes avec des becs, des griffes et de larges omoplates dépassant du sable. Ils n'arrivaient pas à imaginer la créature à laquelle appartenaient ces os. Alors, ils en ont inventé une. Le griffon, mi-aigle, mi-lion, farouche protecteur de l'or caché. Ce qu'ils avaient trouvé était probablement un protocératops. Les experts, en revanche, ont découvert d'innombrables légendes et récits de l'histoire qui parlent de géants anciens, y compris des preuves photographiques et un nombre égal de rapports initiaux de journaux sur leurs découvertes. L'une de ces découvertes est celle de Cap Doa, qui non seulement correspond aux affirmations initiales, mais est également restée dans les recherches historiques courantes. Cap Doa, qui se traduit approximativement par « deux têtes » en malais, est la dépouille momifiée d'un géant à deux têtes capturée par des marins espagnols au large des côtes argentines au XVIIe siècle. Cap Doa serait un géant de Patagonie mesurant 12 pieds, 3,66 mètres. Pendant très longtemps, les gens crurent que la Patagonie était une terre habitée par des géants. La légende des géants de Patagonie trouve son origine dans une histoire relayée par l'explorateur Ferdinand Magellan. Magellan et ses hommes ont fait une halte sur les côtes sud-américaines, puis ils sont partis explorer la région. On raconte qu'en explorant la région, ils ont rencontré des habitants qui étaient environ deux fois plus grands qu'un homme normal. Cela est probablement dû au fait que quelques peuples indigènes de la région, notamment les Tehuelche, étaient plus grands que l'Européen moyen de l'époque. Cette disparité de taille a pu être exagérée, contribuant à la croyance européenne longtemps entretenue que la Patagonie était une terre de géants. Mais est-il possible qu'il y ait eu quelques vrais géants en Patagonie et que Cap Doa soit l'un d'entre eux? Il existe deux histoires d'origine concurrentes pour Cap Doa. Selon la première, Cap Doa a été découvert par des marins espagnols sur les plages de Patagonie vers 1673. Il a été capturé et hissé à bord de leur navire, où il a été attaché au mât. Lorsqu'il a réussi à se libérer du mât, il a été tué par une pique qui lui a transpercé la poitrine. Son corps a été ensuite momifié et empaillé avant d'être acheminé vers la Grande-Bretagne et, plus tard, vers les États-Unis au 19e siècle, où il est devenu le sujet de plusieurs spectacles de cirque et de foire en tant que spectacle du monde inconnu. Selon la seconde histoire, le géant a été découvert mort sur une plage avec une lance dans la poitrine. Selon cette version de l'histoire, son corps a été découvert par des indigènes du Paraguay qui l'ont momifié et honoré lors d'une sorte de cérémonie religieuse. Quelques temps après, le capitaine de goélette britannique George Bickle en entendit parler. Il s'est faufilé au Paraguay et a pris le corps avec lui. Il a pris le corps et l'a transporté en Grande-Bretagne avec lui. Mais les deux histoires se terminent de la même façon. Le corps finit dans les mains de forains qui l'ajoutent à leur collection de curiosités. Cependant, la bizarrerie a fini par atteindre le Birnbeck Pier de Weston en 1914, situé dans le nord du Somerset, en Angleterre. C'est là qu'il est resté pendant les 45 années suivantes, jusqu'à ce que Lord Thomas Howard l'obtienne en 1959. Après l'avoir acheté, le Cap Doa a changé de main à plusieurs reprises avant de rejoindre le Bobslide Show de The Antique Man Limited à Baltimore, propriété de Robert Gerber et de sa femme. Le corps momifié reste encore aujourd'hui un mystère pour les badauds. Cependant, un géant bicéphale de 12 pieds est-il vraiment possible? Bien que la découverte d'un vrai géant bicéphale semble aussi improbable que celle d'un vrai dragon ou d'un vrai troll, elle n'est pas aussi improbable qu'il n'y paraît.
Tout d'abord, jetons un coup d'œil à la taille particulière de la créature. Il y a eu des personnes d'une stature inhabituelle en raison d'une maladie connue sous le nom de gigantisme. La personne la plus grande de l'histoire pour laquelle il existe des preuves indiscutables est Robert Wadlow, 1918 à 1940, qui mesurait 2,47 mètres et continue à grandir lorsqu'il est mort subitement à l'âge de 22 ans. Bien que l'on ait trouvé des personnes mesurant plus de 2,47 mètres, aucune personne vivante ni aucun squelette, dont les preuves sont incontestables, n'ont été trouvées mesurant 3 mètres. Maintenant, s'il est théoriquement possible pour un humain d'atteindre cette taille, les risques croissants associés à sa santé rendent extrêmement improbable le fait d'atteindre cette taille et de survivre. Wadlow est mort à la suite d'ampoules au pied causées par l'immense poids qu'il portait. Ces ampoules ont fini par s'infecter et il est décédé à la suite de complications liées à l'infection. Ses problèmes de santé ne pouvaient que s'aggraver pour une personne de 12 pieds de haut. On a également signalé des cas de personnes et d'animaux à tête multiple. Des jumeaux conjoints peuvent se former en raison d'une condition connue sous le nom de parapagie dicéphale, qui fait que les jumeaux semblent avoir un corps et deux têtes. Là encore, la plupart des cas ne survivent pas à l'enfance, et encore moins à l'âge adulte, mais il existe quelques exceptions. Les exemples les plus connus sont les frères italiens Giovanni et Giacomo Battista Tocci, et les sœurs américaines Abby et Brittany Ansel du Minnesota. Les jumeaux dicéphales parabégiques ont de meilleures chances de survivre si leurs organes vitaux sont doublés, de sorte que chaque jumeau dispose d'un cœur, d'un estomac, de poumons, etc. distincts. Les jumeaux parapagiques dicéphales peuvent donc devenir des adultes biologiquement réussis, mais c'est extrêmement rare. Si nous voulons croire que le cap d'oie est réel, nous devons supposer simultanément deux résultats extrêmement improbables. Nous devrions supposer que des jumeaux dicéphales parapégiques sont nés avec une autre maladie rare qui raccourcit la vie, le gigantisme, et qu'ils ont surmonté tous les problèmes de santé associés à ces deux maladies pour devenir des adultes à part entière, suffisamment forts et en bonne santé pour engager le combat avec une bande de marins. Bien que cela ne soit pas impossible, cela rend l'histoire beaucoup plus improbable et nécessite beaucoup plus de preuves. Le corps a été examiné par des médecins dans les années 1960 qui ont déclaré qu'il ne présentait aucun signe évident de faux. Aucun autre expert ne semble avoir examiné le corps pour déterminer s'il est authentique ou s'il possédait les caractéristiques anatomiques internes nécessaires à la survie d'une paire de jumeaux dicéphales parapégiques. Les géants sont également mentionnés dans le livre de la Genèse. Le livre de la Genèse contient certains des mythes d'origine les plus célèbres de la culture occidentale, notamment la création des cieux et de la terre par Dieu, la consommation du fruit défendu par Adam et Ève dans le jardin d'Éden et l'ordre donné par Dieu à Noé de rassembler deux de chaque animal pour survivre au grand déluge. Parmi ces histoires plus connues, on trouve cependant un récit intrigant et quelque peu déroutant sur les anges déchus et une race de géants surhumains qui errent sur la terre. Toute cette histoire sauvage est contenue dans trois versets au début du chapitre 6 de la Genèse. Selon la version du roi Jacques, lorsque les hommes commencèrent à se multiplier sur la surface de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils leur prirent des femmes de tout ce qu'ils choisirent. En ces jours-là, il y avait des géants sur la terre. Et aussi après cela, lorsque les fils de Dieu sont venus vers les filles des hommes et qu'elles leur ont donné des enfants, ils sont devenus des hommes puissants comme autrefois, des hommes de renom. Le terme pour ces géants est en puissant dans l'hébreu originaire est Néphilim, qui est dérivé de l'hébreu Naphal, qui signifie tomber. Cette race de géants, née d'union impie entre des fils de Dieu divins, c'est-à-dire des anges, et des filles d'hommes mortels, est mieux traduite par les déchus dans ce sens. Si les Néphilim géants sont à peine mentionnés dans le récit de la Genèse, ils ont une source de grand intérêt dans la littérature apocalyptique ultérieure, en particulier dans le livre d'Enoch. Dans ce texte, qui n'a pas été inclus dans la Bible, un groupe d'anges lubriques conspire pour coucher avec des femmes humaines, donnant naissance à une race de géants qui dévaste la création de Dieu, si complètement qu'il est obligé d'envoyer les eaux du déluge et de nettoyer la terre. Les géants sont-ils réels? Cap-d'oie est-il un simple mythe ou a-t-il réellement existé en tant que géant? Dites-nous ce que vous en pensez dans la section des commentaires ci-dessous.